vibe until the end of time. Only one who gets me, I'm a crazy fucking Gemini. Remember this for when I die. Everybody dressed in all black suits in a tie. My funeral be lit if I ever go down or get caught or they identify. My bitch was the most solid, nothing to solidify. She would never cheat, you never see her with a different guy. Ever tell you different, then it's a lie. See, that's my down bitch, see, that's my soldier. She keep that thing thing. If anyone goes there, the karma collected. She keeps her composure, and she gon' ride. Timidant. Les chevaux viennent de s'élancer pour la Mauritius Maiden Cup, 2400 mètres à parcourir avec The Great One bien parti, Wild Horizon également, Dawn Raid avec sur le star Parachute Man sur les barres, ensuite Tengen Salute à l'extérieur de Saint-Tropez sur la star qui court entre les deux, ENAAD le favori dans le dos pour l'instant de Tengen Salute, ensuite ça mène Disco Hall à l'arrière, nous retrouvons Our Emperor et Dream Forest. Comme prévu, The Great One lance cette épreuve donc avec Swapnil Rama en selle devant Dawn Raid, ensuite on retrouve Wild Horizon, Parachute Man suit très bien dans le sillage de ce trio, puis on retrouve Saint-Tropez, Tengen Salute qui garde Solar Star pour l'instant à son extérieur, Disco Hall lui-même qui garde le favori ENAAD à l'extérieur, et puis on retrouve Dream Forest et finalement Our Emperor. Dans la ligne droite pour la première fois sous l'impulsion de The Great One et Swapnil Rama qui va essayer visiblement de gérer Wild Horizon. Zone fait l'extérieur de Dawn Raid. En quatrième position, il y a Parachute Man. Ensuite, Saint-Tropez, cinquième. Soul Star, lui, évolue à l'extérieur de Tengen Salute. ENAAD en dehors de son compagnon d'écurie, Toc Jaune, pour celui de la ceinture Disco Hall. À l'arrière, il y a toujours le duo, à savoir Dream Forest et Our Emperor. Situation inchangée en tête de cette épreuve. Swapnil Rama, pour l'instant, contrôle très, très bien la course avec Wild Horizon et Dawn Raid. Parachute Man a eu une course plaisante jusqu'ici. Saint-Tropez, Solar Star, Tengen Salute se rapproche sensiblement de Solar Star et Nad également, qui se démarque de Disco Hall, Our Emperor. Et puis, on retrouve toujours en queue de peloton Dream Forest. Les choses sérieuses vont commencer à partir de là. Oui, à 600 mètres de l'arrivée dans ce Maiden avec The Great One, qui peut aller très très loin dans ces circonstances. Dawn Raid, il y a Wild Horizon, Parachute Man et Nad qui commence maintenant son effort avec dans son sillage Tengen Salute, Tower Emperor, Soul Star également lancé, on tente de s'amener avec Dream Forest qui est maintenant sous pression mais toujours en tête à l'entrée de la ligne droite finale. The Great One accroché par Dawn Raid avec Nad, Tengen Salute qui sont lancés. Voilà The Great One, Dawn Raid, Nad, va-t-il terminer de manière époustouflante? The Great One à l'avantage, attention Dawn Raid, ENAAD je pense pas va arriver, non, il revient en force à l'extérieur, ENAAD, The Great One, ENAAD, The Great One, ENAAD, The Great One, la classe d'ENAAD, on pensait qu'il allait avoir des difficultés pour rattraper The Great One dans les derniers mètres de l'épreuve, mais quelle remontée, quel déboulé pour Dan Stackhouse sur ENAAD. Regardez The Great One, on ne connaît pas ses limites ce coursier. J'ai vu Swapnil Rama, je pense qu'il croyait avoir fait le plus difficile. Je l'ai vu faire un non peu après le passage du but, puisque ce diable d'ENAAD, regardez au milieu de la piste, lancé par Dan Stackhouse, plus difficilement certes que l'année dernière. Tengen Salute tente un retour, Dawn Raid, superbe course également. The Great One, c'est également un très bon coursier qu'on a vu ici. Swapnil Rama, regardez, il tente le tout pour le tout. Dan Stackhouse, ENAAD.